Continuer tout seul mes élucubrations. כן, אולי תחת שימשיך לבד בכל הפיתוחים וההתלבטויות שלי, avec l'effet un peu hypnotique que ça peut avoir. יש לזה לפעמים השפעה קצת היפנוטית, אני יודע. En tout cas sur moi. לפחות עליי, זה קצת מרדים. Je propose que nous prenions un petit peu de temps pour la discussion. אני מציע שנקדיש קצת... d'animer un peu notre collectif. אני מציע שקצת נקדיש זמן לדיון, אולי כדי להעיר את ה... להעיר בעין. Est un mitrachèche. Alors, oui, il y a déjà. Chez l'autre. Alors, je vais traduire dans le micro. Attendez. Oui. Non, non. מלכירה. הוא יתרגם מיקרופון. כן, אבל עדיף לתת גם לך מיקרופון, כדי שכולם ישמעו. שולה. יש לי שתי שאלות. לא, יש לי שתי שאלות. התיאורית היא דרך הקלינית. תיאורית היא לא קלינית. בעניין התיאורטי יותר מעניין אותי ההבדל. כאן על הקיסון תיאורית, אני רוצה לשאול קיסון קונסרנן על הדיפרנס. בין הבורות. entre l'ignorance. וההדחקה. et le refoulement. ובין הבורות למיקונסנס. et entre l'ignorance et méconnaissance. Est-ce qu'il s'agit d'une autre localisation dans les différents registres? Et quel aspect est-ce que l'ignorance a-t-elle dans le réel? S'il y a. La question clinique. C'est que moi, dans ma pratique, et je pense que je ne suis pas la seule, pendant les moments les plus violents que nous passons en Israël, les patients, généralement, n'en parlent pas. Est-ce qu'on pourrait peut-être développer quelque chose sur ces questions, penser ensemble, parce que c'est une question intéressante. Il y a des autres questions. Vous voulez prendre tout question par question? Alors moi aussi j'ai deux questions. Alors, une est plutôt informative et l'autre théorique. Premièrement, la question informative c'est est-ce que vous connaissez Shorashim Shel HaTeoria Hazot? Est-ce que vous connaissez donc des racines, peut-être des racines possibles de cette théorie dans le bouddhisme? Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu formellement? Ça, c'était une question. Parce que le bouddhisme traite de ce trio, si je puis dire, c'est quelque chose qui est au cœur de la théorie bouddhiste. Et donc, ça, c'est la question plutôt informative. Et l'autre question, c'est si on essaie de voir l'ignorance et la connaissance comme une dialectique, un peu comme l'amour et la haine. Alors là, quand il y a une passion d'ignorance, est-ce qu'il y a aussi une passion de connaissance ou de savoir? Voilà. Ça fait beaucoup, oui, allez-y. Ma question concerne la différence entre l'ignorance de l'analyste et l'ignorance du patient. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce qu'a dit Lacan?
שהמטרה של האנליזה זה לגרום לאנליזנט לשכוח שזה רק מילים. Que le but de l'analyse, c'est de faire, c'est de faire oublier le patient qu'il ne s'agit que des mots, que de mots. Mais nous, nous ne devons pas l'oublier. Voilà. Quand je vais poser la question, on prend un petit peu en français. Ce que M. Strauss a apporté m'a ouvert une question sur laquelle je suis en train de travailler. אם כן, מה שהמרצה אמר כאן באמת קשור מעורר בי שאלות לגבי נושא שאני עובדת עליו היום. Qui est en fait un trait commun. בעצם מדובר בקו משותף. Entre Lacan et moi, à savoir qu'on est... On est tous les deux sinologues. Ben Lacan, Leveni, אפשר לומר, משום שגם הוא וגם אני sinologues. C'est-à-dire que Lacan a expressément dit. Lacan a marre בצורה די מפורשת. Il ne serait pas devenu psychanalyste. שהוא לא היה הופך לפסיכואנליטיקאי. S'il n'avait pas précédemment étudié la Chine. אם לא היה חוקר, אם לא היה לומד sinologue, אם לא היה לומד את תולדותיה של סין. ואת ההתרבות של סין קודם לכן. ואני לא רוצה להכביר כאן מילים, אבל בנוגע לרגש העז שהוא הבורות, אני עובדת היום על הקשר. וזה מביא אותי כאן לכל נושא חיזוי העתידות שהיה מקובל, תודה, שהיה מקובל בסין, שהיו עושים אותו באמצעות שריון של צב. והיו שורפים אותו באמצעות איזשהו צמח שהיו מביאים אותו, סליחה? באמצעות, כן, כניסוף שהיו מביאים אותו. וכאשר היו מקרבים את קנה הסוף הבוער אל השריון של הצו, זה היה יוצא כל מיני סדקים, ואת הסדקים האלה היו קוראים ומפענחים, ובאמצעות זאת חוזים עתידות. והמילה, המילה שמשמעותה בסינית חיזוי עתידות, זאת המילה פו. ופו זה בעצם מין אונומטופיה לנשימה, עוד להוצאת אוויר, או לנשיפה. וזה בעצם אונומטופיה, כי זה הרעש שהשריון של הצו משמיע כאשר הוא מתבקע בעקבות כשמקרבים אליו את הקנה הבוער. וזה מביא אותי לשאלת הרגש העז, הבורות. אני חושב שהבורות היא בעצם הדבר החיוני, הנחוץ, הראשון אצל האדם. כי זה מה שבעצם גרם, הביא לעלייתם של המוסדות האנושיים הראשונים ביותר. ולמה מדברים כאן על רגש עז או על תשוקה? משום שהחלקים של השריון של הצו היו מתבקעים והיו סימנים. אבל אם כן, הסימנים הללו בעצם הותירו חותם. ואותתו, הם אותתו, אבל זה כאילו אותת והעביר מידע, אבל לא לכולם, רק לאנשים מסוימים שידעו לקרוא אותם. כך שבעצם הכל הוא עניין של פענוח. ומעניין לראות שבעצם כל משנתו של לקאן, כל צורת החשיבה שלו, בעצם הולכת בדרך הזאת. זהו. אוי. Là, je vais noyer sous les questions.
אני הייתי רוצה לשאול, האם יש קשר בין המושג של הרגש העז הזה של הבורות? Alors, je voulais savoir s'il y avait un rapport entre donc, la passion de l'ignorance ובין מה שלקן מדבר עליו בסיום האנליזה et ce dont Lacan parle en fin d'analyse על הסיפוק שקשור בגילוי ובהשלמה עם האמת המשקרת. La, satisfaction qui est liée à la révélation de la vérité menteuse. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui. Hein? Alors, je vais essayer de parler comme une patiente. Asina ke tsura shel gagua alim. Bien, je voulais dire que la haine, c'est une forme de languissement, de oui, violent, violente. Et une autre quelque chose d'autre que auquel j'ai pensé quand je vous écoutiez, c'est une formule que si je pouvais peut-être la dessiner, ça serait peut-être un peu plus pratique, si je puis me permettre. Alors, quelle est la pulsion de mort? Oh là. Alors, le mot en hébreu pour violence, c'est alimut, quand on le brise en trois. Alors, on voit la pulsion de mort. Le mot en hébreu pour violence, c'est alimut. Ça, c'est pulsion de mort. Pulsion de mort. Et ici, vous voyez alimut, mais qui a été brisé en trois parties. Oui. El ou al, oui. Li, mavet. Donc, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Et donc, en fait, il s'agit d'un languissement vers la vie. On manque de la vie. C'est un type de languissement violent, mais pour une vie ou pour la vie. Parce que quand on... C'est bien fait. Donc alimut, c'est très joli. Effectivement, quand on regarde alimut, violence, on peut voir aussi vraiment je ne veux pas ou je ne vais pas mourir. Ou je ne devrais pas mourir. Ou la mort n'est pas pour moi. Tout ça peut se lire dans ce mot qui est fractionné en trois. Et c'est le même mot. C'est une belle invention qui masque l'ignorance, si je puis dire. Qui masque l'ignorance. Bien. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Parce que c'est ça qui produit toutes les guerres. Si on parle de pourquoi la guerre, personne ne veut mourir, mais tout le monde veut tuer l'autre. Parce qu'on a dit, celui qui essaie de tuer, tu le tueras d'abord. C'est ce qu'on dit dans la tradition juive. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort? Alors... Donc, encore une fois, merci pour vos questions. Surtout d'alcool à chez l'hôtel.
j'ai au moins réussi, je crois, à vous transmettre cette perplexité devant la passion de l'ignorance. אני חושב שהשאלות האלה ממחישות שאולי הצלחתי להעביר לכם את התמיהה הזאת שמעורר המושג הזה, שהוא הרגש העז של הבורות. Dont Lacan parle donc du tout début jusqu'à la fin de son enseignement. Chez Lacan, en fait, c'est medaber la mamash mitchilat mishnato ve'ad sofa. Même s'il en parle différemment. Gam yom medaber al zeh betzurot shonot. Et la référence au bouddhisme, ve'legaber ha'itirasut la bouddhisme, elle est en 1954. Inken medubar al mashu shaya ve'1954. La première fois que Lacan en parle, zot ha'pam rishona chez Lacan medaber al kach. Quand il dit qu'il ne faut pas oublier d'ajouter la passion de l'ignorance qui nous vient du bouddhisme. Quand je vous dis que l'autre est l'ischkoach, c'est le regesh ha'az de la bourout, que nous nous demandons, ou qu'il nous vient de nous, du bouddhisme. Ou deux autres passions. Et vous, on a fait deux tchoukot ou deux regeshot ha'azim ha'akhirim. Et quelquefois. Donc la référence au bouddhisme pour Lacan est explicite. כך שהוא בהחלט בצורה מאוד מפורשת כאן מדבר על כך שזה שאול, הוא מגיע מן הבודיזם והוא אומר את זה בצורה ברורה לגמרי. מיל דל דבלוב ג'נל. אבל הוא לא פיתח את זה יותר. וצל הסול פואה כלפי ברנון רפירנס אקספליסית מהבודיזם. זאת הפעם היחידה שבה הוא מתייחס בצורה מפורשת לבודיזם. dira aussi que c'est la passion qu'il ne faut pas oublier parce qu'on a toujours tendance à l'oublier. Bah, cher, ou comme on met, c'est le regesh az she'al lanu lishkoach oto mishum she'anachnu notim lishkoach oto tamid. Parce que c'est celle qui est la plus proche du sujet. Mishum she'ze haregesh az shehu hachi karov el ha'subyekt. N'est-ce pas c'est... La haine aussi, on a toujours tendance à l'oublier. Mais gam et ha'sina, anachnu notim lishkoach arei. Évidemment, vous prenez quelqu'un de très amoureux. Vous n'allez pas lui dire, mais quelle est la part de haine dans ton amour? Ça serait mal vu. C'est l'autre avoir chez Yehavé que Machu. Non, c'est mais il, ce qu'il haït, c'est de ne pas aimer. Je vous dis, c'est le même point souvent. Ok, mais dites que vous avez raison, c'est le même point. C'est pas j'aime ça et j'aime pas ça. C'est l'eau, on y a évité, on l'a évité. C'est pareil, c'est le même point. C'est l'eau, les phrases, mais dites que vous avez raison. Qui est le point d'altérité, d'étrangeté. C'est où, autant de choses, je ne sais pas, les bitouilles à Chérout, à Chonout. Qui à la fois fait signe de promesse. C'est gamme, mais ça de chad, mais au tête à l'esachi aftaha. Et signe d'impossibilité. Aval gamme, toz boto reg abba ba'et meotet gam al ezeshu yifsharut ce qui est aimé c'est ce qui est intolérable exactement c'est la... intolérable ça veut dire en lacanien irreprésentable ken kshomrim bilti nisbal ani mitargem et ze lacanianit ze omrim bilti nitan liyitzug c'est quelque chose qui fait énigme ze mashu shemeyatzer énigme. C'est-à-dire quand même qui fait événement. כלומר, בכל זאת, זה מחולל איזשהו אירוע. Qui arrête l'attention consciente ou inconsciente du sujet. זה תופס, עוצר לרגע את תשומת ליבו של הלא מודעת או המודעת של הסובייקט. Yeah, ça fait de l'effet. וזה הביטוי הצרפתי המפורסם, ça fait de l'effet. כלומר, יש לזה השפעה, זה משפיע. Alors, je crois que ce qui est important cliniquement pour amour-haine, c'est que l'amour, effectivement... מבחינה קלינית, מה שחשוב, כל מה שקשור לאהבה ולשנאה, או לשנאה-אהבה... Peut être reconnu ou méconnu, il peut être déplacé... זה שאהבה זה דבר שאפשר להכיר בו, לא להכיר בו, אפשר להסיט אותו. Mais il est pris dans la chaîne. אבל זה דבר שהוא חלק מהשרשרת. L'amour est dans la chaîne, comme Lacan parle de la chaîne signifiante et de la chaîne du sens. הרי הוא מדבר על שרשרת המסמנים ושרשרת המובן, האהבה היא חלק שנלקח כחלק מן השרשרת הזאת. Alors que, et ça Freud le souligne, c'est important, la haine est silencieuse. בעוד שהשנאה, ופרויד מדגיש את זה, זה מאוד חשוב, השנאה היא שותקת. La pulsion de mort s'exprime dans le silence. דחף המוות מתבטא בשתיקה. Dans le silence, parce que justement, elle est hors chaîne. Mishum shehu michutz la shorsheret. Quand la chaîne va les débiter, ben shtika. Quand il y a enchaînement, il y a déjà lien. Qui berega shehu medabrim al shorsheret, medabrim yesh kvar ezeshu kesher. Même s'il y a tentative de détruire le lien, gam im yesh nisyonot la shmid la haros et ha kesher, adayin ha kesher kayam. Lo hayam et ma la haros.
C'est pour ça qu'à chaque fois, que ce soit, je crois, pour l'amour, pour la haine ou pour l'ignorance, je crois qu'on peut distinguer les trois niveaux, imaginaire, symbolique et réel. אפשר להבדיל בין שלוש הרמות הללו, הדמיוני, הסמלי והממשי. Par exemple, toujours pour rester sur la haine, ואם לומר עוד כמה מילים על השנאה, il y a effectivement la dimension d'énamoration. יש את ההיבט הזה של השנאה אהבה, qui est au niveau, disons, phénoménologique de la vie quotidienne. C'est ce que nous voyons dans la forme la plus phénoménologique de la vie quotidienne. Et au niveau de la relation imaginaire, des sujets avec ses semblables. Mais il y a aussi dans les relations imaginaires entre les subjects et les gens qui sont imaginaires. Mais Lacan distingue aussi dans le séminaire 20 une haine à un autre niveau structural. אבל בסמינר מספר 20 לקאן מדבר גם על שנאה ברמה אחרת, ברמה סטרוקטורלית אחרת. Disons, une haine plus pure. אפשר לקרוא לזה שנאה יותר צרופה, יותר טהורה. Une haine qui s'adresse à l'être. שנאה שמתייחסת אל ההוויה. À l'être de l'autre. אל הווייתו של האחר. C'est-à-dire pas tel ou tel trait, plus ou moins. כלומר, לא שנאה לתכונה מסוימת כזאת או אחרת, או לאיזשהו פרט קטן כזה או אחר. Acceptable par le sujet. שזה דבר שהסובייקט יכול לקבל. Mais il dit que rien n'est plus propice à susciter la haine. והוא אומר ששום דבר לא סביר שיחולל או שיעורר עליו שנאה. Tout ce qu'il appelle le dire. יותר ממה שהוא קורא לו האמירה, ההגד. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas les dits qui suscitent la haine. זה לא מה שאומרים שמחולל את השנאה. Il y a des dits haïssables, évidemment. כמובן שיש לך לפעמים מקרים שבהם נאמר משהו שזה דבר שהוא בר שנאה, אני נגיד את זה כך בעברית, שאפשר לשנוא אותו. Il y a des dits explicites, יש דברים ש... de destruction qui sont haïssables. יש מקרים שיכול להיות מצב שבו נאמר משהו שמחולל, שמעורר שנאה, בהחלט. Mais la haine qui s'adresse au dire. אבל כשאני מדבר על השנאה, השנאה היא לא של התכנים שנאמרים, אלא של האמירה עצמה. Est à un tout autre niveau. זה ברמה שונה לגמרי כבר. Le dire, c'est... Et quand je parle de l'amira, ce n'est pas le token de l'amira, mais l'essence de l'amira. Comment le définir? C'est ce qui fait signe. C'est ce qui fait signe, ou c'est siman. Signe d'un sujet, d'un par-lettre, pour parler comme Lacan. משהו שמדבר על הוויה מדברת, הפר-לטre, כך מדבר על כך Lacan. C'est ce qui fait signe de la singularité absolue de quelqu'un. כן, זה מה שמעיד על הסינגולריות המוחלטת של האדם, של האחר. N'est-ce pas? Et ça, c'est pas au niveau de je le hais parce que. וזה כבר לא ברמה של אני שונא אותו כי הוא אמר כך וכך, כי הוא עשה כך וכך. Et parce que c'est injuste ou parce qu'il est méchant ou qui est le tzodek ou qui est merusha ou qui est naval. Ce qu'il fait ou dit ne me plaît pas ou qui משהו עושה ou משהו אומר מוצחן או לא מוצחן בעיניי. C'est ce qu'il est. זו שנאה בגלל עצם הווייתו של האחר. Qui m'est intolérable. עצם העובדה שהאחר הזה קיים זה מה שבלתי נסבל עבורי. Ça c'est plus à un niveau disons réel. 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 כלומר, זה בעצם ברמה יותר ממשית? Imaginaire. ולא כל כך מדומיינת. C'est quelque chose d'injustifiable. זה משהו שלא ניתן להצדיק אותו. זה עצם העובדה שהוא קיים ולא ניתן להשגה? Est-ce que c'est le fait qu'il existe mais qu'il soit inaccessible? L'être est toujours inaccessible. הוא תמיד בלתי ניתן להשגה. Mais il peut effectivement susciter l'amour. אבל הוא יכול לעורר אהבה, ממש באותה מידה שהוא יכול לעורר שנאה. Mais... C'est un קרוב ובלתי מושג. Donc, c'est pas quelque chose qui est lié au fait que ce soit si proche, mais quand même si inaccessible. C'est ça. כן, בדיוק. בדיוק. Mais
De ce point de vue-là, la haine qui s'adresse à l'être est aussi inexplicable que l'amour. במובן הזה, השנאה שמופנית אל ההוויה של האחר, היא בלתי ניתנת להסבר, ממש כשם שאהבה אל אותו אחד בלתי ניתנת להסבר. Ça ne s'explique ni au niveau imaginaire, par la similitude, d'intérêt. להסביק אותו, להצדיק אותו, סליחה, ברמה המדומיינת, על ידי כל מיני צורה של קווי דמיון, קווי... קרבה, זה לא דבר שאפשר להסביר אותו. Ni au niveau symbolique par une opposition éthique. וגם לא ברמה הסימבולית, בגלל איזושהי התנגדות או שוני אתי כזה או אחר. Intolérable, c'est tout. זה פשוט בלתי ניתן, בלתי נסבל. Il y a dans l'être de l'autre une part toujours qui peut mettre en appétit. יש תמיד בהווייתו של האחר איזשהו חלק שיכול, איך לומר את זה, לעורר תיאבון. Disons qu'il peut charmer. הוא יכול להיות קוסם. Une partie intolérable. משהו שקוסם לך, הוא לקסום, או חלק שהוא בלתי ניתן, שהוא בלתי נסבל, שאי אפשר לשאת אותו. Et cette partie d'ignorance, c'est on va parler. ויש גם את חלק הבורות, סליחה. ואז יכולה להיווצר אוטומניה? Exactement. כן, בדיוק. Exactement, l'érotomanie, donc, dont on voit justement le dans laquelle on voit la proximité de l'amour et de la haine. Sheba bemet roim et midat hakirva hagdola sheben sin'a ve'ahava. Peut-être que, mais ça c'est des élucubrations, pour pas dire du délire. וכאן זה כבר פיתוחים קצת יותר, שלא להגיד איזושהי הזיה, כן, אבל... Peut-être justement que l'érotomanie manque un peu de passion de l'ignorance. אולי מה שחסר באירוטומניה קצת זה בדיוק אותה תשוקה של, או רגש, אותו רגש אז שהוא הבורות. On reste dans une dualité passionnelle. כי אתה נשאר כאן באיזושהי דואליות תשוקתית. Passionnelle. Oui. Et qui évoque la régression topique au stade du miroir de Lacan. Chez Goremet, le haut de régression et me commis topique, quand je libère Lacan, je la remarque. Alors, quand vous dites là. Donc, je pense que. Oui, quand vous dites. Excusez-moi, je vais prendre les questions comme ça. Quand vous dites la mort n'est pas pour moi. כן, מישהו דיבר כאן על לי מוות, כן, המוות הוא לא בשבילי, כן? Qui dit ça? מי בעצם אומר את זה? Qui est ce moi? מי מדבר? מי שלא רוצה למות. Celui qui ne veut pas mourir. Mais c'est qui? כן, אבל מי זה? ואפשר לעשות פרטי, ואת מרגישים ואנושים. Ça peut être particulier, ça peut être l'humanité. Ça peut être quelque chose d'humain. Ou de particulier, de précis, de spécifique. Parce que d'un côté, Freud dit la mort dans l'inconscient, qui mitzad echad, Freud n'existe pas. Amavet, bah l'homme ou d'ailleurs peut-être l'opérer. N'est-ce pas? Ce qui existe dans l'inconscient, c'est la castration. Ma sheyesh, bah l'homme ou d'ailleurs, c'est serous. אני לא יודע איך לתרגם את זה. אז טוב, לא תיכנס לזה, נעזור, זה לא לעניין. Alors, madame a dit qu'il y a une différence entre deux termes qui sont en français exactement les mêmes, donc le réel et le réel. Hein. La réalité. Oui, peut-être. Peut-être. La réalité, c'est ce qui se le concret, peut-être le concret. Le concret c'est la réalité, oui, et le réel. Pour Lacan, ce que Lacan appelle le réel, c'est l'impossible. C'est ce à quoi on va parler. Ce que Lacan m'a dit à la réelle, à la mamashi, c'est ce qui est bilti efshari, ce qui est la nougishaïla. Ce qui ne peut pas se représenter. Ce qui n'est pas le yitzou. Alors je vais avancer, si vous permettez. Okay, I need to come in, but je... Mais quand même, si vous permettez, la mort, je ne veux pas mourir. Okay, c'est pas le sujet de l'inconscient qui peut dire ça, puisqu'il ne sait pas qu'il est mortel. En même temps, Lacan a parlé d'être pour le sexe et d'être pour la mort. אבל Lacan דיבר על הוויה או להיות או הוויה של המין ושל המוות. L'être pour le sexe, c'est évidemment la castration. וכשהוא מדבר על המין, l'être pour le sexe, הוא מדבר על הסירוס במובן הפרוידיאני. L'être pour la mort, c'est
une reprise heideggerienne de la pulsion de mort. ובעצם כשהוא מדבר על לטר פור למור, ההוויה של המוות או עבור המוות, זה בעצם איזושהי תפיסה היידגריאנית של דחף המוות הפרוידיאני. Et Lacan a parlé de la fin de l'analyse, de l'expérience analytique et de sa fin comme d'une révélation de l'être pour la mort. Lacan dit al sof analyse que c'est une révélation de la havaya de la mort. Mais c'était surtout au début quand il essayait de trouver chez Heidegger. Qu'est-ce qu'il essayait de trouver d'ailleurs chez Heidegger? Il essayait de trouver les mots pour rendre compte du ratage. הוא ניסה למצוא את המילים שבאמצעותן ניתן יהיה לתאר את הפספוס, את ההחמצה. ratage symptomatique. את ההחמצה הסימפטומטית. Et son insistance. ואת ההתעקשות. Donc l'être pour la mort, Lacan n'a pas gardé tel quel jusqu'à la fin de sa vie. כאשר ההוויה בשביל המוות, זה לא דבר שלקן המשיך איתו עד סוף ימיו. En revanche, s'il y a un je qui peut dire la mort n'est pas pour moi, אבל אם יש un je, אם יש מישהו או איזשהו אני שיכול להגיד המוות איננו בשבילי או על לי מוות, כן? C'est le jeu du pur signifiant. הרי זה האני של המסמן הטהור. Nous sommes peut-être les vecteurs charnels et transitoires du langage. אנחנו אולי בעצם נשאים בני חלוף וממשיים או גופניים, גשמיים של שפה, של השפה. Mais le langage ne meurt pas. אבל השפה איננה מתה, גם אם אנחנו מתים. Là, je rejoins votre question. ובעצם זה מה שהגבר דיברה עליו. Sur les traits, les crapules, la torture. על החיזוי העתידות ועל הקשרים ועל הנשיפה. Je crois que c'est une réflexion, je vous remercie d'ailleurs. C'est tout, mais c'est spécialement le point effectivement qui a travaillé le point pendant toute son. וזה באמת אני מודה לך על דבריך, זה מה שעבד עליו לקאן. Et le terme de trait. וכשמדברים על הביטוי בצרפתית trait, שזה גם קשר וגם קו. קו, תו, סימן, קשר, כן. Le trait, la trace, vous trouvez ça הסימן, האות. Son enseignement partout, tout le temps. החותם, la trace, זה מילים. זה מילים שמוצאים אצלו כל הזמן. Mais trace et trait, c'est une idée de l'écriture. אבל כשמדברים על קו או על סימן, כן. C'est permanent. זה גם חתך, הפסקה, זה דבר שנמצא כל הזמן. Alors donc, au fond, c'est... On a jusqu'à quelle heure? On a encore une heure, je pense. Encore une heure. Alors, cette histoire de traits, de craquelures. Je crois que c'est effectivement là que Lacan loge ce qu'il appelle les passions de l'être. Je crois que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un développement logique chez Lacan. Qui vise à montrer comment ça fonctionne. En particulier sur la question de la représentation. Le sujet est représenté par un signifiant. Peut-être, comme vous connaissez, peut-être que vous connaissez la phrase, moi je la connais depuis toujours. Depuis j'ai commencé à lire Lacan. Le sujet est représenté par un signifiant, pour un autre signifiant, c'est vraiment le mantra lacanien. Le mantra de Lacan, c'est un subject qui est utilisé par Mesamen.
Mais Abour Messamen. Abour Messamen Acher, Acher. Mais il me semble qu'on en oublie ou Lacan n'a pas tellement insisté. ואולי נראה לי ששוכחים, ואולי לקום לא כל כך התעכב על כך. סוף הלפן שם עושה לימור. אולי בסוף ההוראה שלו. סיור, סוכן פליק אין טרם דאפקט. הוא לא התעכב על מה שכרוך במונחים של היפעלות, אפקט. אין טרם דפסיון. במונחים של תשוקה או רגש עז. דיפיד קור. אותם אפקטים על הגוף. זאת אופרסון רפרזנטציון. Cette opération de... De représentation. Autant on peut là chez l'Itsug. C'est pas une opération, la représentation qui se fait, encore une fois, qui se fait sans affecter le sujet. L'Itsug, c'est l'homme de Batsea, ou le Corée, mais il est juste à la subject. Que Lacan a longtemps développé. On m'a chez Lacan plus tard le meilleur zman rav. C'est la deuxième partie de la phrase. C'est la deuxième partie de la phrase. Par un signifiant pour un autre. Comment ça passe d'un signifiant à un autre? Comment ça s'enchaîne? Comment ça circule? Et du coup, comment ça fait parler? Qui fait que les êtres humains sont d'abord des êtres parlants qui passent leur vie à se parler. Se parler aux autres, mais aussi se parler à eux-mêmes. Sachant que du signifiant qui représente le sujet au signifiant à l'autre, au signifiant auprès duquel le premier se représente. Sachant donc que l'opération de représentation d'un signifiant à un autre, comme c'est le symbolique, comme il s'agit de symbolique, ça suppose un trou. Entre S1 et S2, il y a un trou incomblable. Lacan a repris la discrétion du signifiant de Saussure. Signifiant est discret, c'est-à-dire chaque. Lacan a repris la vidoul, la nifradout, de la mesamène de Saussure. Chaque signifiant est différent de tous les autres. Kol mesamen shone venivdal mikol ha'acherim. Et il n'y a pas moyen d'égaliser deux signifiants. Ve'en shum derech litzor hashva'a ou shivyon ben shnei mesamenim. Et finalement, la chaîne signifiante. Besofo shel davar shasheret ha'mesamenim. C'est le déplacement d'un trou. D'un manque. C'est la circulation d'un manque. Un manque qui est d'abord symbolique. Qui est inhérent à la structure même du langage. Qui fait que le langage n'est pas un système de signes. C'est pas à un signe correspond une signification. כלומר, זה לא שלסימן אחד יש בעצם משמעות אחת. Et pour un signifiant, eh bien, il en faut un autre pour lui donner son sens. וכדי שיהיה מובן, אז המסמן אחד זקוק למסמן אחר. Avec toujours un effet de manque qui s'en produit. ומתלווה לכך תמיד אפקט של חסר. Et Lacan a longtemps développé comment ce manque symbolique ובמשך זמן רב, לקור הקדיש זמן כדי לפתח את הנושא הזה של המסמן הסמלי. Bien s'articuler, se nouer, se conjoindre à un manque imaginaire. כיצד זה בא להתחבר אל איזשהו חסר דמיוני.
Le manque imaginaire étant évidemment la castration. והחסר הדמיוני הזה הוא כמובן הסירוס. Comme possibilité de l'absence de l'organe sexuel. כאפשרות של היעדר האיבר המין. Vous savez le cas que Freud a fait du constat de la castration, de la croyance dans la castration chez l'enfant. ואתם זוכרים איך כמה פרויד דיבר על העניין הזה של הסירוס וההבנה של הסירוס או ההכרה שיש סירוס אצל הילד. L'angoisse de castration. Et donc Lacan a vraiment fait beaucoup d'efforts pour articuler. Le manque symbolique qui est inhérent à la structure du langage. Et son inscription imaginaire dans le corps. והרישום הדמיוני שלו בגוף. Comment non pas il s'équivale. זה לא שיש פה שוויון. Mais comment il se raccorde. אלא שיש פה איזשהו התאמה, לכן מצליחים להתאים זה לזה. Sans jamais arriver à s'équivaloir, justement. מבלי שיוכלו אי פעם ליצור שוויון בינם לבין עצמם. Puisque l'un est symbolique. כי יש לנו את הסמלי. Et l'autre. ואת האחר. Joue sur deux registres distincts. ואז יש לנו פה בעצם את שני המשלבים הנבדלים האלה. C'est ce qu'il a appelé aussi la castration finalement. ובסופו של דבר, את זה הוא כינה סירוס. C'est ce qui fait que la sexualité ולמעשה, המיניות est à la fois appelée par l'être humain pour combler son manque נתפסת על ידי האדם כמשהו שיכול לבוא למלא את החסר שלו. La copulation représente l'idéal de l'union. ההזדווגות בעצם מייצגת את האידיאל של האיחוד. Du faire un של avec l'autre. להיות אחד עם האחר. Et en même temps toujours échoue. אבל זה תמיד נידון לכישלון. Bien, Lacan a repris Freud. C'est pas une invention de Lacan. זאת לא המצאה של לקאן. לקאן חזר פשוט על מה שפרויד אמר. Il y a chez l'être humain quelque chose qui rend la sexualité fondamentalement et nécessairement insatisfaisante. Elle ne répond pas, bien sûr, ça ne va pas sans plaisir, évidemment. Mais le plaisir n'est pas la satisfaction. La satisfaction de l'un qui rate. הסיפוק של ההגעה לאחד, כאן זה נכשל. Pas à cause du partenaire. לא בגלל הפרטנר. Mais à cause de la structure. אלא בגלל המבנה. Donc Lacan a longtemps développé ça. Lacan הקדיש לכך שעות רבות כדי לפתח את זה. Il me semble que c'est comme ça que je le lis en tout cas. כך לפחות אני קורא את זה. Il me semble que c'est à la fin de son enseignement, à partir d'où pire, surtout avec encore, qu'il a mis l'accent sur la première partie de la phrase. Le signifiant représente le sujet. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on peut trouver depuis le début des indications de Lacan là-dessus. Il faut quand même l'après-coup pour s'en rendre compte. Et cette première opération de représentation. והפעולה הראשונה הזאת של הייצוג c'est la marque signifiante sur le corps. זה הסימן המסמן על הגוף. C'est la frappe signifiante et son effet de jouissance. זה התו או הסימון המסמן והייצוג שלו. L'être en parlant jouit. כשההוויה מדברת היא מתענגת. L'être en parlant jouit et ne veut rien savoir. De plus. C'est-à-dire ne rien savoir du tout. Ça, c'est dans encore. Il faut bien mesurer
le contraste qu'il y a. וצריך באמת לעמוד פה על הניגוד הקיים. Avec la castration telle que Lacan en a parlé jusqu'alors. הניגוד הקיים בין זה לבין הסירוס, כפי שלקאן דיבר עליו עד אז, עד הנקודה הזאת. Lacan est entré dans la psychanalyse avec sa castration. Lacan נכנס לפסיכואנליזה עם הסירוס שלו. En disant que parler, c'est renoncer à la jouissance. והוא אמר שלדבר פירושו לוותר על ההתענגות. Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure de l'enfant de Saint Augustin. ואני רוצה להזכיר לכם מה שהזכרתי קודם לגבי אוגוסטין הקדוש. Heureusement qu'il s'agit d'une jouissance substitutive, etc. לגבי הילד, שנאמר שם שלמרבית המזל המדובר בהתענגות שהיא בעצם תחליף. Déjà dans ce moment qui paraît si fondamental de l'enfant médusé devant son frère de lait, toute la civilisation, toute la culture est présente. Parce que la destruction de l'autre est substituée à un objet partiel, l'objet oral. Ce qui suppose déjà tout l'appareil symbolique. L'objet oral représente le sujet pour un autre. האובייקט האוראלי בעצם מייצג את הסובייקט עבור אחר. Pour un objet oral perdu. אובייקט אוראלי שאבד, באלף, הלך לאיבוד. Pour un sujet à qui l'objet oral manque. לסובייקט שחסר לו אותו אובייקט אוראלי. J'improvise ça pour vous, il faudrait vérifier si ça tient la route. אני קצת מאלתר כאן ואתם צריכים לבדוק אם זה באמת מבוסס. Est-ce que l'histoire Saint-Augustin, on pourrait la résumer comme ça? L'objet oral représente chez l'autre le manque comme manque oral chez le sujet. Donc c'est déjà une représentation du manque. זה כבר כשלעצמו ייצוג של החסר. Une localisation, une partialisation. מיקום וחלקיות יש פה. En revanche, donc, ce que ça veut dire, c'est que parler, פירוש הדבר בעצם ש... c'est renoncer à la jouissance. לדבר זה ויתור על ההתענגות. Et n'avoir plus accès שכבר אין לך גישה qu'à ce que Lacan appelait le plus de jouir. אלא למה שלקאן כינה היתר ההתענגות. Le reste de jouissance. שארית ההתענגות. Le plus de jouir qui tient justement dans les objets. שבעצם ניתן למצוא אותו באובייקטים השונים. Autour desquels se font les échanges avec l'autre. שסביבם בעצם מתבצעים החילופים עם האחר. Qui se réduisent à quatre. Bon, Lacan a dressé la liste finalement. Comment? Quatre. Objet. C'est un nombre de quatre objectifs. Les deux qu'il a repris de Freud et de Freud. Ils ont des Freud et des petits élèves, l'objet oral, l'objet anal. L'objet oral et l'objet anal est sur la carte de Freud et Talmidav. Et puis ces objets auxquels Lacan a ajouté le regard et la voix. Et la carte aussi Lacan est un objet à col de Mabat. Ce qui fait que dans cet ordre de représentation pour un autre. כלומר, באותו מישור של ייצוג עבור אחר, le sujet se fait toujours, הסובייקט, toujours, le sujet se fait bouffer, הוא תמיד גורם לכך שבעצם יאכלו אותו, chier, לחרבנו עליו, entendre et boire, ישמעו אותו ויראו אותו. Avec les préférences de chacun pour l'un ou pour l'autre. Et le fantasme de chacun. Fantasme inconscient.
qui fait que chacun répète, malgré lui et sans le savoir, sa préférence. שכל אחד בעצם חוזר למרות על הפה ועל חמתו ומבלי לדעת מה העדפה שלו. Il y en a dans la vie qui passent leur temps à se faire bouffer. יש אנשים שמבלים את כל חייהם בכך שאוכלים אותם, בולעים אותם. D'autres à se faire chier. אחרים מחרבנים עליהם כל החיים. Etc. וכו'. Avec des modulations, il y a ceux qui se font bouffer, ceux qui se font vomir. יש כאלה שאוכלים אותם ואחר כך גורמים לכך שמקיים אותם. Bon, vous avez une clinique des fantasmes. אז יש לנו פה קליניקה של פנטזיה. C'est la clinique de la vie quotidienne. זאת הקליניקה של חיי היום-יום. Ça, c'est encore une fois le représenté pour un autre. זה החלק שמיוצג עבור אחר. Ça suppose l'autre. זה מניח שיש אחר. Le désir de l'autre. Le signifiant représente le sujet. המסמן מייצג את הסובייקט. Ou l'être en parlant jouit. שם ההוויה כשהיא מדברת היא מתענגת. C'est tout à fait autre chose. אבל זה משהו אחר לגמרי. Et c'est là que me semble-t-il se loge la passion de l'ignorance. ונראה לי שזה המקום שבו מתמקמת בעצם, מתמקמים הרגשות העזים של הבורות. Il y a une phrase qui le laisse entendre dans le séminaire 20. בסמינר 20 יש משפט אחד שממנו ניתן להסיק זאת. Il y a celle que je vous ai déjà dite, l'être en parlant jouit ne sait rien et ne veut rien en savoir. Et il jouit de... En parlant, jouit et il ne veut rien en savoir. Et il y a un autre passage, tout à la fin du séminaire 20, où il dit, dans cette formule très curieuse, là, je parle un peu pour les érudits lacaniens, je suis désolé. Il a passé sa vie, Lacan, à dire « il n'y a pas de métalangage ». Lacan, באמת, הקדיש חלק גדול מחייו לאמרה « אין מטה-לשון ». Il n'y a pas de métalangage, c'est la conséquence du « le signifiant représente le sujet ». זאת התוצאה של ה... סובייקט אשר מיוצג על ידי אחר. המסמן, המיוצג על ידי מסמן אחר. Il a aussi dit ce qui est la même chose, il n'y a pas d'autre de l'autre. הוא אמר דבר מאוד דומה, אין אחר של אחר. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dernier mot. כלומר, אין מילה אחרונה. Il n'y a pas un système symbolique qui vienne boucher le trou du système symbolique. אין איזושהי מערכת סמלית שבאה לסתום את החור של המערכת הסמלית. Le trou ne fait que se répéter et se reproduire. Il peut changer de place, mais il est toujours là. Mais ça peut effectivement avoir des effets aussi bien de haine que d'amour. Et d'ignorance. Alors pourquoi d'ignorance? C'est justement, il dit... Petit passage surprenant, la fin du séminaire 20. Après avoir commencé la leçon en disant « il n'y a pas de métalangage », il dit « il me faut pourtant dire ce qu'il y a de métalangage ». Ça apparaît presque comme une reddition. Vous connaissez le terme reddition, une reddition. Comme dans une bataille, on rend les armes. Une défaite presque. Même tout ça. Il me faut pourtant dire ce qu'il y a de métalangage. Et vous, c'est un travail de séminaire, là, vous lirez le passage. C'est pas très simple. Mais c'est là qu'il parle de l'être. Et de l'être de l'autre.
ההוויה של האחר. Et de la passion de l'ignorance. והוא מדבר שם גם על הרגש העז של הבורות. Ça serait bien que je me retrouve quand même. Il faudrait deux minutes, je ne l'ai pas sous les yeux, je suis désolé. Je ne l'ai pas noté ici. Mais enfin, vous le retrouverez vous-même. Je vais dire quelques mots là-dessus. C'est là donc que Lacan parle de la passion d'ignorance. Mais en la situant du côté de l'autre. En la situant du côté de l'autre. Je raccourcis le. Je simplifie. L'autre ne sait rien. L'autre ne sait rien. Acher et non le derdava. L'autre ne sait rien. Il faut bien voir que. L'autre a un effet. Il a un effet de jouissance sur le corps. Et le signifiant vient donc représenter le sujet. Plus exactement, vient le produire. Ou bah au meyatzer est un subject, vient le faire exister. Ou betzem mevili deki umo gorem lolitkayem, vient le faire exister comme être. Ou mevili deki um kehavaya, être qui éprouve la frappe signifiante. Havaya shechasha et hashpa shel hamesamen, à qui le signifiant fait de l'effet. À qui, un être à qui le signifiant fait de l'effet. Havaya shecha mesamen. Mashpia, nogerva, mashpia alea, qui éprouve cet effet, shechasha et hamagaze ou et hashpaazot, avant de pouvoir en dire quelque chose. Lifnei shetuchal lagid al kach dvarma, avant de pouvoir dire si cet effet est bon ou mauvais. Lifnei shetuchal bichlal lomar haim hamagaze ou hashpaazot hi tova ou ra'a. Avant de pouvoir dire si cet effet il l'aime ou il l'aime pas. Lifnei shebichlal nitan yehi lomar haim hu ohev ou lo ohev ou hi ohevet ou lo ohevet ha'havaya et ha'maga haze ou et ha'hashpa'a hazot. Il y a le fait qu'il l'éprouve. Im ken, ze matchil beze shehadavar haze hu davar shehu mukhash, kelomar hu chove oto, hu chash oto. Et pour savoir s'il l'aime ou l'aime pas, vekedei ladat im hu ohev ou lo ohev et ze, là le sujet a besoin du désir de l'autre. זה המקום שבו הסובייקט זקוק להתאבות אל האחר. Je pense à un passage dans le séminaire de Lacan, וזה מעלה בדעתי איזשהו קטע בסמינר של Lacan, où il parle de l'enfant qui reçoit une petite tape sur la joue. שבו הוא מדבר על ילד שמקבל סטירה קטנה. Et il demande si c'est une claque ou si c'est une caresse. Et suivant la réponse de l'autre, vers Alpi, Tshuvato shel ha'acher, où il rit ou il pleure. Rak az, kshetagia ha'tshuva, hayeled yivke ou yitzhak. N'est-ce pas? C'est... Là, on a la supposition de savoir dans l'autre. Comme quand on b'etzem menichim et hayeled etzel ha'acher. L'enfant demande à l'autre ce que ça veut dire. Hayeled shoel et ha'acher ma ha'mashma'ut shel ma shekara li achshav. Si c'est signe d'amour ou signe de haine de l'autre. Haim zaya siman le'ahava ou siman le'sina. Et il en fait un sens pour lui. Ve'rakach hayeled miyatzer l'atzmo mouvan bishvilo. Le savoir est supposé à l'autre. Comme ha'yedi'a munachat etzel ha'acher. Mais... Oui, le savoir est supposé à l'autre, et c'est ce que Lacan finalement appelle le désir de l'autre. Et c'est ce que Lacan mitkaven elav kashom adaber al ha ivui shel ha'acher ou afshar lomar gam ha'itavut el ha'acher. Et vous savez comment Lacan, tout au long de son enseignement, a défini le désir comme désir de l'autre. Et Lacan lechol orech mishnato et tamid igdir et ha'itavut ki itavut. Et l'ivoui, que l'ivoui chez l'acher, ou l'itavut et l'acher. C'est chez l'autre que le sujet trouve le sens. C'est que c'est l'acher, moté un subject et un mouvan, le sens du désir. Chez l'ivoui.
Le sens, au sens amour ou au sens haine. Et dans Mouvan, Mouvan Shel Arava ou Sina. Accueil ou rejet. Kabbalah ou Tria. Mais. Aval. Justement, dans le séminaire 20, c'est explicite. Be séminaire 20, Zenema Betsuam Foreshet. Ce sens du désir de l'autre. Ha Mouvan Shel Haivoui Shel Acher. C'est ce que Lacan appelle, donc, dans le séminaire 20, une élucubration de savoir du sujet. C'est ce que Lacan appelle, dans le séminaire 20, une élucubration. Une élucubration. Hamtza'a. Oui, hamtza'a, ou pitouach, ou hamtza'a, une élucubration du... De savoir. Shel ha yedia. Une élucubration de savoir du sujet. Yedia est un subject. C'est le sujet qui élucubre. Il y a chez le subject, il y a subject ou zeh chez mamti. Le savoir qu'il suppose chez l'autre. Et ha'yedia shu maniach shekayemet etzel ha'acher. Alors qu'en fait l'autre ne sait rien. Ve'od she besopo shel davar ha'acher eino yodea ha'davar. Fait l'effet. Ou rak ose ezeshi hashpa'a. Et la passion d'ignorance au dernier terme. Ve'haregesh ha'az shel ha'burut b'shalav ha'acharon. Il me semble effectivement que ça n'est pas une posture sophistiquée. Besopo shel davar zot lo ezeshi emda metuhkemet. Caricatural de sage qui dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est là une caricature, c'est là la chacham ou un avon qui dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est là ça. Mais c'est que l'autre ne sait rien. Et là, c'est que l'acher ne sait rien. L'autre est. L'acher est. Il peut rester. Et il peut rester. Il est, E-S-T, et, ah oui, oui, oui. Pas de haïr. Oui, oui, non, j'ai bien compris. Équivoque, là. Oui, mais... Yesh kan ezeshu équivoque, ezeshi kfilut lashon, sheyekhola liot ki betzarfatit, il est, mibkhinat hatzlil, ze yekhol liot hu hove, ou gam hu sone. Namrot shekotvim et ze acheret legamri. Vehakavana kan hu hove, velo sone. On peut dire le souffle, la craquelure, la trace. Eshal dabar kan al ha-neshifa, al ha-hitbak'ut shel ha-shiryon, al ha-siman ou ha-chotam. Comme le signifiant est. Comment Shera Mesamel Ove. Pardon. Comme le signifiant est et produit sa trace. Vem Yetzer et ha Siman Shelo. Trace d'un néant, dit Lacan. Lacan en mer, c'est Siman Shel Ein. Trace d'un néant. Ein Be'alef. Trace d'un néant et dont le support dès lors ne peut s'altérer. C'est Siman Shel Ein, aval Shera Yesod Shelo. C'est comme ça que dans la variante de la Curtie, très tôt, trace d'un néant dont le support ne peut s'altérer. C'est où ? J'ai honte, je ne me souviens pas par quel. C'est Fonction et Chant au variant de la Curtip. C'est très tôt. C'est très tôt. Variant de la Curtip. Je l'ai tout dit. J'aimerais vous retrouver la phrase parce qu'elle est super. Je vais vous la retrouver tout à l'heure. Et qui permet. Cette trace d'un néant de mémoire. אני כאן מצטט מזיכרון, זה הסימן הזה של העין, באלף, מאפשר. Permet d'inscrire dans la durée ce qui passe. לרשום את מה שמתרחש לאורך זמן. La jouissance est passée. כי ההתענגות חולפת, עוברת. La jouissance est passée, le signifiant garde la trace. אבל המסמן... שומר על סימן שלה. Parce que cette jouissance est un néant déjà passé. כי מדובר בעין שכבר חלף, אבל שהותיר אחריו סימן. Bref, compliqué chose. עקבה. או שאחריו עקבה, אפשר לומר, תודה. Je reviens à la passion de l'ignorance. אז אני חוזר לרגע לרגש העז של הבורות. C'est, je crois, finalement le corps qui pâtit. בעצם זה הגוף שסובל d'être pris dans l'ordre
signifiant dans le langage. Bégal Shehu Lachoud, Besedra Mesamnim, ou Bassafa. D'être marqué. Ou Mesouman, Shaloma. Marqué. Et on sait à la Vchotam. Marqué par le langage. Bégal Asafa. Asafa Mashira Bosiman. Avant tout sens. L'ifnei Heyot Amouvan. L'ifnei Sheyesh Bichlal Mouvan, Kazé ou Acher. C'est l'événement du langage. Avec sa sidération. Avant que ce langage ne se fasse désir de l'autre. Avec son élucubration de savoir. Élucubration de savoir, d'amour ou de haine. Ou gam amtsaa shel yeda shel ahava ou shel sina. Bien sûr que ça existe, qu'un enfant a été accueilli avec un plus ou moins d'amour, plus ou moins d'attente. Kamouvan sheyesh ken yelad yechol lefamim hoo mitkabel im hoo magi kasher hoo nolad letnaim shebehem ohavim oto yoter ou pachot, mechakim lo yoter ou pachot, mechapim lo. Mais justement, le sujet de la psychanalyse, ça n'est pas un... la résultante du désir de l'autre. Alors, ça là, n'est pas là, le sujet. Oui, le sujet... Dans la psychanalyse, dans l'expérience analytique. Ça n'est pas la fabrication de l'autre parental. Ça fait pas lui le produit de même pas de l'inconscient de ses parents. Ou l'autre total de l'homouda de l'aurim de l'autre. Ça ne fait pas de lui un produit passif. Ça le fait qu'on ait des choses totales passives. Même si l'autre l'a bien ou mal accueilli, gam im ha'acher ki belet panav betzura tova yoter, tova pachot. Tout ça, finalement, les quelucubrations de savoir. Kol zeh zeh besofo shel davar rak ezeshi hamtza'a shel yedia. Au regard des accidents. Au regard des accidents du langage. C'est-à-dire le moment où est apparu au sujet, je dirais comme ça. Au moment où est apparu au sujet un effet de sens. Vous avez déjà vu des enfants qui jouent avec leur voix et dans un échange avec l'autre. Moi, je me souviens d'avoir joué avec ça, spécialement avec mes enfants. Des jeux de vocalise. Comme l'enfant n'a que quelques mois. וזה גם כאשר הילד בסך הכל בן כמה חודשים. יאללה, אממן, ספרן סנס. ופתאום באיזשהו רגע מסוים, זה מקבל מובן. ספרן סנס, זאת אומרת, כתובן, זה קואגולי. כלומר, משהו מתגבש. La jouissance de la parole. משהו בהתענגות על המילה, בהתענגות על הדיבור. Avec une... signification donnée au désir de l'autre. שמתגבש לאיזשהו מובן שניתן ליווי של האחר. C'est ça le sens. הרי זה מה שאני רוצה לומר, כשאני אומר מובן. C'est d'abord le sens donné au désir de l'autre. זה קודם כל מובן שניתן אל היווי של האחר. Non seulement ça dit quelque chose. זאת אומרת, לא רק שנאמר משהו, שהוא אומר משהו. Ça dit sans vouloir savoir. זה גם, זה אומר... בלי לרצות לדעת. ופונה ללשון, לג'ו דה לא, לג'ו דה בוש. כן, ללשון, כן. C'est la passion de l'ignorance dans sa, dans sa splendeur. C'est l'être en parlant joui et ne veut rien savoir de cette jouissance. C'est כאשר ההוויה מדברת מתענגת, או מתענגת ולא רוצה לדעת שום דבר. Et à un moment... Le poids du sens, la prison du sens. Le peshalav mesuyam, pitom ha mishkal shel hamuvan, nichnas. Ça veut dire non seulement ça dit quelque chose. Pitom ze lo rak omer mashu,
ça dit le plaisir à parler, mais sans avoir besoin de le dire. Ça, זה אומר כמובן את העונג שבדיבור, בלי לרצות לבטא משהו מסוים. Ça le dit sans l'énoncer. זה אומר את זה בלי שום הגד. Il n'y a pas encore de sujet pour dire qu'est-ce que je trouve ça rigolo. עדיין אין סובייקט שיכול להגיד כמה זה מצחיק שאני אעשה כך או אני אעשה אחרת. Et à un moment, le sens s'installe, c'est-à-dire la spécularité aussi. אבל פתאום המובן נכנס ומתגבש, ואז יש את הספקולריות, את ההשתקפות. Le bon sens, ça veut dire quelque chose. ואז פתאום יש את התחושה של, וואו, אבל יש כאן... יש כאן מובן, זה אומר משהו. Là, ça instaure, évidemment, l'angoisse aussi. וכאן, כמובן, גם מתחוללת או נוצרת החרדה. Qu'est-ce que ça veut dire? כי מה זה אומר? Qu'est-ce que ça veut dire? מה זאת אומרת? Une question à laquelle on élucubre des réponses. זאת, כמובן, שאלה שלגביה אנחנו ממציאים תשובות על גבי תשובות. En termes d'amour et de haine. מבחינת אהבה, שנאה. Mais amour et haine sont déjà des élucubrations de savoir aussi. אבל גם אהבה ושנאה הן בעצמן המצאות של ידע. Concernant le désir de l'autre. ביחס, המצאה של ידיעה ביחס לעיווי של האחר. Alors que tant que le sujet, si on peut parler de sujet, est pris dans ces jeux d'échange de son. כל זמן שהסובייקט, אם בכלל אפשר לדבר כאן על הסובייקט, נמצא בתוך כל החילופים האלה של... של משחקים של קול. La question de qu'est-ce que ça veut dire se pose pas. הרי השאלה של מה זאת אומרת בכלל לא עולה. La satisfaction est immédiate. יש פשוט סיפוק מיידי. N'est-ce pas? Et une fois que le sens s'installe, cette satisfaction immédiate est perdue. וברגע שנכנס המובן, הסיפוק המיידי הזה הולך לאיבוד. Elle est perdue, parasitée par cette question, qu'est-ce que ça veut dire? משום שהוא בעצם ממוסך. מתמסך על ידי השאלה הזאת, מחפה עליו או מחסה עליו השאלה, מה זאת אומרת? Avec peut-être l'angoisse de ça ne veut rien dire. ואולי גם בדיוק תוך כדי, באותו רגע, גם נכנסת החרדה של אולי זה לא אומר כלום, אולי אין משמעות. Regardez comment les êtres humains supportent mal ce qui ne veut rien dire. כי הרי תראו כמה קשה לאנשים לשאת את מה שכאילו לכאורה לא אומר כלום, את מה שאין לו משמעות. Freud disait, c'est une phrase que j'aime beaucoup de Freud. Freud נהג לומר זאת, זה משפטיתות שאני מאוד אוהב של פרויד. Il faut un haut degré de civilisation. שצריך רמת תרבות מאוד מאוד גבוהה. Pour croire au hasard. כדי להאמין בגורל. בקריות. או במקריות, כן, במקריות. Peut-être qu'il faut un haut degré de civilisation. ואולי באותה מידה צריך גם מידה רבה של תרבות, מידה גבוהה של תרבות. Pour accepter que ça ne veut rien dire. כדי לקבל את העובדה שזה לא אומר כלום. Ça dit quand même. וזה בכל זאת אומר. Parce que la mort, ça dit la mort n'est pas pour moi. כי המוות, כן, מדברים על לי. מוות, אלימות, כן. Mais c'est pas moi qui parle. C'est lo ani je medaber. C'est pas mon moi qui parle. C'est lo ani sheli je medaber. C'est la parole qui parle. C'est ha mila je medaber. Dont je ne suis que le à qui je ne fais que prêter mon corps. Ani rak be'etzem ani anasa, ken ani rak malveh la et haguf sheli. Mon corps que je sais mortel. Haguf sheli she ani yoda hu ben tmuta ve ben chalof. Et c'est peut-être pour ça que Lacan a pu dire aussi qu'on ne supporte l'existence que parce qu'on sait que ça va s'arrêter un jour. On veut bien prêter notre corps au langage, la safa. Mais enfin, c'est vrai que c'est quand même fatigant. Avant de maïr. Ça puisse s'arrêter, c'est peut-être pas uniquement une mauvaise nouvelle. Alors je vais vous lire je vais vous demander de traduire un passage que j'aime beaucoup. Avant de relancer les questions. Ou alors des rebonds, par exemple, sur l'histoire de la trace et du trait.
Un passage qui est du 15 novembre 61, l'angoisse. זה קטע מתוך החרדה, l'angoisse, מה-15 בנובמבר 1961. המועקה, החרדה. Il dit de l'autre, il parle de la supposition que l'autre sache. Il y a un savoir absolu. Mais l'autre en sait encore moins que lui. Pour la bonne raison qu'il n'est pas un sujet. Et ça, c'est le passage que j'aime beaucoup. וכאן מתחיל הציטוט שאני מאוד אוהב שרציתי להגיע אליו. L'autre est le dépotoir des représentants représentatifs. אם כן, האחר הוא המאגר, אם אפשר לומר, של המייצגים הייצוגיים של ההנחה הזאת לגבי הידע. Représentant représentatif, disons signifiant maître. ואם אני מדברים על מייצגים ייצוגים, בעצם מדברים על מסמני אדון. דפוטואר. והוא מדבר על דפוטואר, מאגר. מיכל. כן, מיכל, מאגר, מקום שבו מניחים. On parlait au début de l'objet du fantasme comme déchet, comme rebut. כי בהתחלה דיברו על האובייקט, אובייקט A, קטנה וכך הלאה כמין פסולת, כמין דבר שדוחים אותו, זורקים אותו. L'autre était un trésor. אבל האחר הרי היה אוצר. Rappelez-vous, l'autre trésor des signifiants. אתם זוכרים שהוא מדבר על זה שהוא האחר הוא אוצר המסמנים. Dans le dépotoir. אבל כאן מדברים על דפוטואר, שזה גם יכול להיות מזבלה פשוט. זה פשוט מזבלה. מקום שמפנים אליו את הפסולת. L'autre est le dépotoir, donc... de cette supposition de savoir. כלומר, זה המקום שבו, זה המזבלה, המקום שבו זורקים או שמים את ההנחה לגבי הידע. Et c'est ceci que nous appelons l'inconscient. וזה מה שאנחנו קוראים לו הלא מודע. Pour autant que le sujet s'est perdu lui-même, משום באותה מידה שהסובייקט איבד את עצמו, dans cette supposition de savoir. בתוך ההנחה הזאת של הידיעה. C'est perdu dans son qu'est-ce que ça veut dire. Ou alors les bouts, plutôt à mazotomeret. C'est comme ça que je traduis. Car on est en il demande à l'autre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Qui est un mazotomeret, mazotomeret. Il entraîne ça à son insu. Vous êtes un meilleur de l'éloïe diato. Ou gourem les éloïe diato. Ça. Vézé, ça. Ce sont les débris qui lui reviennent. Mais du barbe et c'est un bachvarim. או בפסולת, לא, בשברים, בשברים שחוזרים אליו. De ce qui pâtit, de ce que pâtit, pardon, des débris qui lui reviennent, de ce que pâtit sa réalité. ממה שבעצם, מן הסבל של המציאות שלו, מה שהמציאות שלו סובלת. Pâtit sa réalité, c'est la passion. וכאן מדובר כמובן על הרגש העז, או התשוקה, כשמדבר על הסבל, הוא מדבר על הרגש העז. Sa réalité, le corps parlant, la mamachut, c'est la gouffre à médaber, pâtit de ces déchets qui sont dans le dépotoir qu'est l'autre. Chez Sauvel, Biglal, ha, et psolet azot, chez Nimtset, bamizbala chez l'acher, ou bamizbala chez hi l'acher. Ce que pâtit sa réalité dans cette chose, ken ma chez ha, et metziut, ou ha mamachut, chez l'os, t'icha, Sauvel et kan, débris plus ou moins reconnaissables. ויש כאן בעצם שברים שהם לפעמים ניתנים לזיהוי ולפעמים לא. Et la phrase merveilleuse qui conclut. אבל המשפט הנפלא שמסכם את הדבר הזה. Il les voit revenir. כן, הוא רואה אותם כאשר הם שווים. Il peut dire. הוא יכול לומר. Ou non dire. או שלא לומר. C'est bien cela. זהו זה. Ou bien c'est pas ça du tout. או זה בכלל לא זה. C'est tout à fait ça quand même. אבל זה בכל זאת בדיוק זה. 1961. Nous qui parlons, qui opposons maintenant l'inconscient langage et l'inconscient réel. והיום אנחנו מדברים על ההבדל או על הניגוד אפילו בין הלא מודע של השפה והלא מודע הממשי. L'inconscient chaîne
הלומדה שהוא חלק משהו שרשרת S1 S2 donc כן, S1 S2 et l'inconscient réel vers הלומדה הממשי S1 tout seul ou S1 levad c'est déjà là en 1961 mais évidemment il a fallu le temps pour le lire. אבל כמובן נדרש זמן כדי להגיע לזה, כדי לקרוא את זה. C'est bien cela ou c'est pas ça du tout. זה בדיוק זה, או זה בכלל לא זה. C'est tout à fait ça tout de même. אבל כן, זה בעצם בדיוק בדיוק זה. Alors, finalement, la réponse du psychanalyste זו תשובתו של הפסיכואנליטיקאי à l'énigme du sujet l'énigme של הסובייקט qui cherche que ça veut dire שמחפש להבין מה זה אומר או מה זאת אומרת et le psychanalyste répond tu l'as dit והפסיכואנליטיקאי אומר אתה אמרת voilà d'autres questions זהו, עוד שאלות? Où on s'arrête? Oh, c'est... Non, allez, allez, alors, une question. Alors, il y avait la question que j'ai posée. Ah, je t'ai laissé tomber. Ignorance, refoulement et méconnaissance. Ken, le gars, le gars, à Beyrouth, un tracas vers la méconnaissance. Alors, l'ignorance, refoulement et méconnaissance, je pense que j'ai répondu. Ken, à l'écrochem, j'ai peut-être Ken à l'été à la Sheva. En distinguant les différents niveaux. כאשר דיברתי על הרמות השונות. Comme pour l'amour, comme pour la haine. גם עבור אהבה, גם עבור שנאה. Il y a une part, effectivement, disons, immédiate de l'ignorance, enfin immédiate, la plus superficielle de l'ignorance. החלק השטחי ביותר של הבורות. Celle du refoulement et de la méconnaissance. זה ההדחקה והמקונסנס. טעות. C'est le côté le je ne veux rien savoir de ce qui ne correspond pas à mes idéaux chez moi. אני לא רוצה לדעת שום דבר שלא תואם את האידיאלים שלי. אולי מקונסנס זה התעלמות, בסדר, לא? אידעת. Je ne veux pas savoir. אני לא רוצה לדעת. Que je suis un méchant garçon, capable de tuer mon frère et mon père, et ma mère. Il n'est pas question que. Et Lacan le dit, la passion d'ignorance est constituée inaugurale du mouvement analytique. Et Lacan de l'entrée en analyse. La règle de la brute, c'est bien ce qui m'yatser, ce qui omet bitrilata, ou ce qui cholel, milchatrila, et la noire analytique, et l'analyse. Si je me souviens bien, il dit elle est constitutive. Mais même si je vois plus, mais je te mets le plus mechonen. De l'entrée en analyse. On a zéro à rega mechonen, je l'appelle ça l'analyse. Évidemment, il faut que le sujet vienne. Qui c'est la forme, tzarich, chayavim, que le sujet yagia, yavo. Avec l'idée que son symptôme veut dire quelque chose. Et ma idée, brua, que le symptôme, c'est lo, menace l'omar machu, rotze l'omar machu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma zomer que. כל אחד לפי הסימפטום שלו. כשאני מעלה לתת, מה זה אומר שכואב לי הראש? או כשאישוד על מובן אימפורטון. או שאני נכשל ברגעים חשובים בחיים. או כשאני קונטרר בסקי שאני אוהבי די. או שאני אומר את ההפך למה שאני רוצה לומר. וכשאני רוצה, מה זה אומר כשאני רוקד עם מי שאני בעצם דורך על הרגליים? רק כמה דוגמאות קטנות. Donc, quand les patients, si je pourrais dire, méconnaissent ou ne parlent pas des attentats, de la réalité. Alors, ça, oui. Alors, l'intermédiaire, l'aspect de l'ignorance dans le réel. ההיבט הזה של הבורות, סליחה, בממשי. סאש קרואה כאפקטיבמן, זה לודה לניבו פרופון, זה אני חושב, באמת הרמה העמוקה יותר.
c'est effectivement, c'est que l'autre existe comme un acher kayam, existe par ses effets sur notre corps. Kayam bilal ha'ashpa'ot shelo al haguf, mais ne sait rien. Aval enenu yoda, ne sait rien des effets qu'il produit sur nous. Il ne sait même pas qu'il produit des effets sur nous. Davar al ha'ashpa'ot sheyesh lo alenu, ou afilu lo yoda sheyesh ha'ashpa'ot alenu. Bien sûr que la mère, quand elle chante une chanson à l'enfant, elle veut lui faire plaisir. Mais elle ne sait pas à quels mots font plaisir ou sont insupportables à l'enfant. Quel effet elle a sur son corps. Finalement, l'autre ne sait rien. Car c'est parce que ça devra acheter le réel. L'ignorance dans le réel. Dans un abourut dans ma machine. Le réel de l'autre. C'est ma machine chez l'acheter. Parce qu'effectivement, il y a l'autre. Le néant qui est symbolique. Le néant de réalité. Et ha'ayn, be'alef, shu'a metziut, shu'a simli. Un néant dans la réalité, mais c'est un réel de symbolique. Encore une fois, pardon. Un néant dans la réalité. Le symbolique est un néant dans la réalité. Le mot, c'est le meurtre de la chose. Le symbolique est un néant dans la réalité. Lacan a dit ça, la néantisation par le symbolique. Iyun be'alef al yedei ha simli. La néantisation dans la réalité. Aval ha iyun bametziut. Mais il y a un réel du langage. Aval yesh gam mamashi shel hasafa. Et donc, c'est le sipur que Lacan medaber alav besiyum ha'analiza. Alors, est-ce que c'est ça l'histoire dont parle Lacan en fin d'analyse? Oui. Quelle? Alors, pourquoi les patients ne parlent pas des moments les plus violents? Cela me permet de me tourner le long de brim à la regaïm à l'humim biotel. C'est assez vrai. Zanachon. C'est assez vrai. Zanachon. À la fois, ils en parlent un peu. Mais c'est pas systématique. Et quand ils en parlent, c'est par où est-ce que ça les atteint? Par où est-ce que ça fait qu'ils en parlent? C'est quand même toujours. C'est ce qui justement vient faire écho pour eux, au non-sens, et à imuvano, imashmaut, à quelque chose qui n'a pas de sens. Ok, et à igayon, be'alef, à quelque chose qui existe, mashu shekayam, et qui existe et se présente. Sous forme traumatique, comme non-sens, avec le côté incurable de l'être humain, appeler un sens là où il y a du non-sens. La sidération. Alors, justement, là, il y a un débat. Quand je vais mettre le chéla, elle nous sert sublimation pour caricaturer. Il y a certaines personnes qui valorisent la sublimation. Il y a des gens qui la sidération. Je parlais pas de sidération. Sidération, pas sublimation. Ah oui, la sidération. Mais qui est un appel au sens, la sidération. Et c'est la création de Mouvan.
Alors la question, c'est qu'est-ce qui sidère le sujet? Alors, la question, c'est qu'est-ce qui sidère l'un ne sidérera pas l'autre. Qu'est-ce qui sidère l'un ne sidérera pas l'autre. Qui sidère l'un ne sidérera pas l'autre. Qui peut faire sublimer la sublimation. En fait, qui peut faire sublimer. וזה אולי יכול לגרום לסובלימציה. C'est une des manières de parler des événements traumatiques. אולי זאת אחת הדרכים לדבר על האירועים הטראומטיים. Alors, justement, avec Freud, il y a une chose qui sidère tout le monde. Okay, עם פרויד יש דבר אחד שמדהים את כולם תמיד. La castration de la mère. La castration de? La mère. וזה הסירוס של האם. Et Lacan a donné beaucoup de points, ça. אבל Lacan, גם הוא דיבר על כך. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis souvent interrogé sur comment parler de cette castration. ואני ראיתי קרובות תהיתי, איך מדברים על הנושא של הסירוס שלהם? מה זה כל הסיפור הזה? Sinon, Lacan a traduit castration de la mère par l'expression désir de l'autre. אם כן, Lacan תרגם את הביטוי סירוס האם בביטוי העיווי של האחר. La castration de la mère, qui a sérus sur la haine, c'est ce qui fait que la demande de la mère, זה בעצם מה שגורם לכך שהבקשה של האם, devient signe d'un désir énigmatique. הופכת לסימן של עיווי אניגמטי. On peut imaginer, la mère demande, elle sait ce qu'elle demande, elle l'obtient, elle ne l'obtient pas. אפשר לדמיין שהאם מבקשת ו... את מה שהיא מבקשת, היא מקבלת, או היא לא מקבלת. Mais à un moment, אבל ברגע מסוים, ce qu'elle demande devient signe d'autre chose. מה שהיא מבקשת הופכת סימן לדבר אחר. Elle demande ça, mais qu'est-ce qu'elle veut? היא מבקשת את זה, אבל בעצם מה היא רוצה? N'est-ce pas l'objet de la demande? האובייקט של הבקשה או של התביעה? Le signifiant de la demande? המסמן של התביעה? Ne suffit plus à rendre compte de ce que l'autre veut. L'autre veut autre chose que ce qu'il demande. Et ça, ça a un effet de sidération. Qui fait que. Que jamais plus aucun objet en réalité ne satisfera ce que l'autre attend. יספק את הציפייה של האחר. Ne satisfera le désir du sujet non plus. וגם לא יספק את הסובייקט עצמו. La sidération, oui, il y a autre chose. כן, בתדהמה הזאת יש עוד משהו. Ça veut dire quelque chose. יש לזה משמעות, זה אומר משהו. Quoi? אבל מה? Et là j'en viens à la sublimation. וכאן אני מגיע לסובלימציה. Il y a des gens, semble-t-il, qui dans le champ psychanalytique valorisent la sublimation. יש אנשים בתחום של הפסיכואנליזה שבאמת מייחסים ערך רב לסובלימציה. La sublimation, c'est chic, disons, c'est artistique, c'est joli. La sublimation, c'est ממש chic, כן, זה מאוד אומנותי. Lacan a beaucoup déprécié la sublimation. C'est Lacan à effet, horrible, erreur à sublimation, mais autre. Lacan semble-t-il a ramené la sublimation. Mais c'est Lacan qui a retiré la sublimation. À l'opération de représentation. Les ramat peula chez Itzug. Dès qu'un signifiant vient à la place de l'énigme du désir de l'autre. Alors que je me semaine bas, ben comme. L'énigme de l'arrivée de l'autre. Eh bien, il y a sublimation. Il y a sublimation. Et il a dit des petits bouts de papier froissés dans la poche, ça peut être la sublimation. Pissot niyam tanot kumatot betoch hakis, c'est ce qu'on a de sublimation. N'est-ce pas un petit objet merdique qu'on garde pour soi comme ça dans la poche. C'est déjà une substitution sublimatoire une sublimation au trou c'est pas même comme chor au trou de autre chose ça veut dire autre chose pour eux c'est d'abord d'être chez les amis mais autre chose על המורה שנותן מגיע
Alors je voulais seulement faire un petit commentaire. Quand vous parlez de l'enfant, donc on touche la joue, hein, on effleure la joue, et il ne sait pas s'il s'agit d'une gifle ou d'une caresse. Je pense qu'il y a ici encore quelque chose. Parce que c'est vrai que l'enfant peut se demander est-ce que le parent vient de me caresser ou de me gifler. Et alors là, il va savoir s'il faut pleurer ou rire. Mais le parent, de son côté, ne peut pas savoir s'il a donné une gifle ou une caresse avant que l'enfant décide s'il va pleurer ou s'il va sourire. Wow. C'est vrai quand le parent parle à l'enfant, en général. Le parent ne peut pas savoir comment l'enfant va élucubrer son savoir. Comment l'enfant va élucubrer le savoir qu'il suppose à l'autre. Cela dit, dans l'exemple de Lacan, l'autre sait. C'est justement ça l'intérêt de l'exemple. C'est que la réaction du sujet, la façon dont le sujet est affecté, dépend de la réponse de l'autre. Qui est non seulement supposé, mais donné. Alors c'est vrai que pour ce qui est du bain de langage, encore une fois, eh bien, les parents ne savent pas quel mot caresse et quel mot griffe. ההורים באמת לא יודעים איזו מילה מלטפת ואיזו מילה סותרת לתת. Ce qu'il y a, c'est que pour l'enfant, à un moment, les mots prennent sens. לגבי הילד, ברגע מסוים, המילים מאבדות מובן. Il y a un philosophe français, disons quelqu'un qui a fait une carrière dans les... Je me rappelle, c'est enregistré là, tant pis. Quelqu'un qui a fait une carrière dans les universités. Qui a fait une carrière dans les universités. Et chez philosophe sorfati, chez sa carrière dans l'université de Sorfat. Qui a fait un livre que j'ai lu pour en intéressant la passion d'ignorance. שכתב ספר שאני קראתי כאשר התחלתי להתעניין ברגש העז של הבורות. Qui s'appelle le traité, le philosophe s'appelle Clément Rosset. הפילוסוף נקרא Clément Rosset. Et le livre s'appelle le traité de l'idiotie. והספר שלו נקרא המסע, מסמכי, על הטיפשות. Et c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a suivi les derniers séminaires de Lacan. Mais qui n'a pas fait de carrière dans les milieux lacaniens. Mais c'est beaucoup inspiré de Lacan. Et il donne l'exemple pour l'idiotie. De l'ivrogne, celui qui est sous, qui s'extasie devant une fleur. La fleur qui s'isole dans sa singularité absolue. Mais effectivement, Lacan aussi a parlé de l'idiotie. À propos de la jouissance phallique. La jouissance la plus idiote. Et cette jouissance phallique, vous le savez, dans les nouveaux roméens, il l'a située entre le réel et le symbolique. Vous
Vous savez ça? Trois nombres roméens, puissance faillite entre le réel et le symbolique. Et en 1954, la première fois qu'il parle de la passion de l'ignorance, il ne parle pas encore des nœuds borroméens, mais il parle d'une pyramide avec ses arêtes. Avec ses arêtes, et il dit que les passions sont à la jonction aux arêtes de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Et il situe donc l'amour à la jonction de l'imaginaire et du symbolique. Là où il va mettre la jouissance du sens. La haine entre l'imaginaire et le réel. C'est pourquoi il n'y a pas de mots. Les mots manquent, mais les faits. Et là où il va donc situer la jouissance autre. Et il situe l'ignorance à l'arrêt du réel et du symbolique. Là où il va situer la jouissance phallique. Donc vous voyez, entre l'idiotie comme moment existentiel intense, l'ivrogne pétrifié devant la fleur qui représente pour lui l'univers dans son unité, n'est-ce pas? La jouissance phallique et l'ignorance. Vous voyez les résonances. Je ne vais pas dire les similitudes, mais. Comment il y a de l'un, il y a un nain. Il y a un nain qui fait. Alors, vous savez, Lacan. Justement, là aussi, je dis tout le temps la même chose. Lacan a passé sa vie à dire il n'y a pas d'un. Il y a du deux signifiant et l'un est un effet de signification du deux. Un effet de signification du deux parce que deux ne va pas sans trois. L'un, l'autre, est-ce qui les sépare? Vous avez là-dessus toute la métaphore du nom du Père. Et il finit par dire, il y a l'un. Au moment des nœuds borroméens. Sauf que c'est quand même Lacan. L'un en question, il est trois. Il y a l'un de la jouissance autre. L'un de la jouissance phallique et l'un de la jouissance du sens. Et justement, la passion humaine, quand le corps parlant pâtit du signifiant, et la passion au singulier, c'est donc peut-être les trois passions. Le un de l'amour. Le un de la haine. Et le un de l'ignorance. Qui est certainement, je pense, à écrire du côté de la jouissance phallique. Celle qui éventuellement s'éprouve, mais dont rien ne peut se dire. En tout cas, elle n'appartient pas au sujet. Alors que dans la jouissance du sens, dont on parle trop peu à mon avis, il y a une jouissance du sens.
יש התנגדות של מובן. Là, le sujet est identifié à son corps, est pris. Il croit qu'il sait quelque chose. Alors que peut-être dans la haine, le sujet sait qu'il ne sait rien. C'est un peu trop qu'il ne sait rien. Alors, et dans la passion d'ignorance, il ne sait rien. Et il ne le sait pas. Merci.